pour le peuple. C'était lui qui avait signé ça sur son, dans son journal, la voix du peuple, la voix de l'Algérie. Août, le destin lui était fatal pour lui et sa famille. Au lieu de rejoindre son poste à Pékin, Dieu les a rappelés. Vie éternelle, seule la fidélité le décrit. Ça, c'est après le déclenchement du 1er novembre. Pour l'apaisement et l'arrêt de la répression, un ambassadeur de la richesse du ciel à Pékin s'en est allé. شعوري اليوم نفرح باش باش اللي راهم يحضروا عليه على مصطفى فروخي الفورم دو مجاهد ها كلنا راني طايره كل اليوم راني في امتي نواج راني الفوق راني الفوق هذاك اللي نحس كل ما يحضروا على مصطفى فروخي وانا هذاك اللي نحسها افتخار